La 14e parade des jouets a été présentée samedi dernier, le 14 novembre. Une journée entièrement dédiée aux enfants qui installent la féerie des fêtes en plein centre-ville de Québec. Encore cette année, c'est plus de 600 participants qui offrent généreusement de leur temps et de leur talent pour animer petits et grands. La parade des jouets, c'est aussi une grande collecte de jouets. Que ce soit des jouets neufs ou usagés ou tout simplement un don en argent, tous sont invités à donner généreusement aux plus démunis de la région. Oui, c'est une très belle activité pour les familles avec des jeunes enfants. Ça amène l'esprit des fêtes. C'est un très beau concept. Pour les familles qui ont un peu plus de revenus, ça amène un sentiment de partage avec les familles qui ont un peu moins de revenus, qui sont un peu plus défavorisées. Puis ça fait une belle image pour la parade. La parade des jouets aura encore été cette année un succès autant chez les petits que chez les grands. Ici Florence Rouleau pour L'Exemplaire à Québec.